Bonjour sorciers, sorcières et éventuellement ceux qui regarderaient mes vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est ma première vidéo back to school, il y en aura 3 avant la rentrée. Donc c'est des vidéos, je crois que vous connaissez le principe, mais qu'on donne avant la rentrée, pour la rentrée des classes justement. Donc cette vidéo c'est je prépare mon sac pour Poudlard, donc je vais me mettre dans la peau d'une écolière de Poudlard et je vais montrer ce que je prends pour dans le Poudlard Express. Ma valise sera déjà prête. Et je prends simplement tout ce dont j'ai besoin pour dans le Poudlard Express. Donc vous allez voir, ça va être cool. Elle sera assez courte la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé vous la faire. Donc voilà, c'est parti. Donc dans mon sac pour Poudlard, d'abord je vais vous montrer parce qu'il est trop joli. Je l'ai trouvé sur le chemin des traverses. Il est donc trop mignon avec le blason de Poudlard en fait. Donc ça c'est vraiment cool du coup. Comme ça j'ai un... j'ai un sac à dos à l'effigie de Poudlard, donc c'est vraiment cool. Donc dans le sac de Poudlard, je vais l'ouvrir. Et alors dedans, je vais y mettre toutes sortes de petites choses pour m'occuper dans le Poudlard Express. Donc d'abord, j'ai à dormir. Du coup, je me prends mon petit livre du Quidditch à travers les As, mais mes autres livres sont dans ma valise. Donc voilà, j'ai envie de me relire le Quidditch à travers les âges. Donc je le mets dans mon sac. Ensuite, évidemment, il y a ma cravate de Poufsouffle parce que je n'ai pas trop envie de la mettre dans la valise. Je préfère la prendre dans mon sac. Donc voilà, je l'enroule comme ça pour le voyage. C'est plus simple. Elle est trop belle, hein, ma cravate. Donc voilà, ça va être tout cool. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc voilà, j'ai ma petite cravate que je mets dans mon sac. Ensuite, bien évidemment, je vais prendre mon carnet de Poudlard, voilà, pour y noter toutes les choses que je fais à Poudlard, en fait, durant l'année, en fait. Voilà, j'ai beaucoup de pages pour tout noter, ça va être vraiment cool, et du coup, évidemment, mon année commence dans le Poudlard Express, donc je vais noter déjà dans le Poudlard Express. Après, évidemment, je prends ma baguette, parce que ça, c'est important. Faut tout le temps l'avoir avec soi, sa baguette, très important. Puis après, comme je suis plutôt assez gourmande, je prends une boîte de verticrochu. Là, elle est presque vide et il en reste encore un peu. Donc voilà, je vais pouvoir m'amuser avec mes copines durant le voyage. Ça va être vraiment cool. Et puis encore, comme on a toujours des petites fins à bord du Poudlard Express, je prends une petite boîte de choco-grenouille également. Ensuite, je prends ma lettre d'admission à Poudlard que j'ai vraiment eu l'honneur de recevoir, etc. Donc là, on va le mettre dans la petite pochette que vous voyez ici à l'avant. Et voilà, ça, il ne faut surtout pas que je la perde. Ensuite, encore dans ma petite pochette à l'avant, je vais prendre mon parchemin où dedans il y a toutes les choses que je dois avoir. Poudlard, avec mon petit seau de Poudlard qui vient de tomber, je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu en fait. C'est juste un seau, hein. Donc voilà, mon sac commence déjà à être bien rempli. Ensuite, je prends mes chaussettes Poufsouffle. Je vous assure, c'est vraiment vrai, c'est vraiment des chaussettes Poufsouffle. J'ai trouvé chez Madame Melkins sur le chemin des traverses. J'étais trop contente en les voyant. En plus, il ne restait plus qu'une paire et c'était ma peinture. Donc voilà, j'étais très contente et donc ça, je vais les prendre également dans mon petit sac. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis ça dans ma valise. Sûrement que j'avais pas trop envie. Donc voilà, il me reste plus beaucoup de choses à mettre dans ma valise, dans mon sac de voyage plutôt. Ma valise, elle est déjà prête. Et donc, je vais prendre ma plume. Donc voilà, elle est toute neuve, elle est trop belle. Je vais prendre une photo de mes parents, donc je vous montre pas parce que mes parents n'ont pas trop envie de décevoir qu'on les voit. Mais donc voilà, je prends toujours une photo de mes parents avec moi parce qu'ils vont me manquer durant l'année, enfin jusqu'aux vacances. Et donc voilà. Et puis après, il me reste plus grand chose à mettre dans mon sac. Je vais prendre ma bouteille de bière au beurre, toute nouvelle que j'ai reçue pour mon anniversaire. Avec toutes les autres friandises et mes chaussettes. Voilà, j'ai reçu ça pour mon anniversaire. J'étais trop contente quand on avait été sur le chemin des traverses. Après, je prends du parchemin parce que du parchemin, c'est toujours utile.
Donc voilà. Et puis je prends également un petit bic. Donc ça c'est un truc de moldu. Et c'est mes parents qui me l'ont donné. Parce que mes parents sont moldus. Donc voilà, ils me l'ont donné. Et je le prends avec également parce que c'est utile ce petit truc là. Même si c'est un peu spécial, mais en fait c'est un peu comme un truc d'encre portable. T'as pas besoin de tremper dans l'encre à chaque fois. Donc c'est, enfin, c'est plutôt original, c'est plutôt pratique. Et donc voilà, c'est plus facile pour dans le Poudlard Express. Donc voilà, mon sac est prêt, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu courte, mais moi j'ai vraiment adoré vous imaginer toutes les petites choses que moi je prendrais si j'irais à Poudlard. Et puis mon sac tombait parfaitement. donc voilà. J'étais vraiment cool à faire. Je sais qu'elle a déjà été faite par plein de youtubeurs Harry Potter. Voilà, moi je voulais vous montrer moi ce que je prendrais si j'irais à Poudlard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.